Bien le bonjour à tous et bienvenue pour la partie 3 de ce let's play sur Prototype. C'est parti, on va faire, enfin continuer l'émission, la mission principale. Un network de détecteurs. Si ils peuvent me traquer, ils peuvent traquer Dana. On est à la planque de Dana du coup. Et apparemment, bah, je dois détruire cette espèce de détecteur qui fout un petit peu partout. Ok, d'accord, très bien. Ce qui serait intéressant, c'est que j'aille me recharger. Comme ça, je fais une méga attaque sur eux. Dès que j'arrive. On va faire ça. On va pas s'en priver. Ok. Dès que j'arrive, je charge une super attaque sur eux là. Et machin, je sais plus comment on appelle ça. Empêcher les mutants de trouver la planque. Eh merde, j'ai pas pu. J'ai pas réussi. Bon, c'est pas grave. Ok, il y a un hélicoptère qui arrive. Est-ce que j'ai un truc à leur balancer sur la gueule? Oh, va falloir que j'aille chercher sur un autre toit. Ça, c'est un machin en pierre, ça ne sert à rien. Ah putain, vas-y. Il y en a un autre prêt. Dégage toi. Allez. Ok, ils sont là. Repérer la zone des signaux du quartier concernant le détecteur, fouiller le secteur pour trouver ce détecteur. Repérer le repère de zone signal quartier con. D'accord. Je vais juste fouiller en fait l'endroit où il y a... Hop. Je vais lui vider le chargeur dans la gueule à lui. Il va juste mourir. Hop là, voilà. Il ou l'autre. Putain, mais il y en a combien? Ah mais je suis en train de crever en fait. Putain, ils sont vraiment trop forts ces hélicoptères. Ah je vais mourir. Non mais... Oh putain, je te demande juste d'attraper un... Voilà. Putain merde. Putain, il saute de partout là mon personnage. C'est parce que je lui demande. Putain. Allez, change d'apparence, connard. Ok, c'est bon, j'ai réussi à les semer. Faut que j'arrive à... reprendre de la vie. Allez. Du coup, j'en ai un sacré paquet à éliminer. Là. Il est où? Je le vois pas, le détecteur. Ok, il est sur le... Allez hop, ils crèvent tous. Même pas! Il n'y en a aucun qui est mort! Il loue le deuxième. Enfin, il faut vraiment que j'élimine ces putains d'hélicoptères là, con. Ils m'énervent. Parce que je l'ai touché. Yes, je l'ai eu.
Ok. Oh, il est pas mort. Oh, l'enfoiré. Là, il y a un lance-grenade de... là. Oh, il fait chier le mec. On va prendre ça. Vous voyez, c'est quand même assez difficile de ramasser les trucs, d'être précis en fait. C'est pas un gameplay qui est très précis. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Ah, ça c'est bon ça. C'est un très très bon tireur, Alex. Attends. Viens cette putain de truc. Toi tu fermes ta gueule. Je vais éliminer un hélicoptère avec un hélicoptère. Allez hop, ça c'est fait. Très très bon jeu, très très bon jeu, excellent jeu. Je vais prendre avec moi un petit fusil. Voilà, un petit fusil mitrailleur. Comme ça me permet d'éliminer les groupes d'ennemis autour des détecteurs. Très très bon choix. Très très bon. Il est où le truc? Ok, il est là. Il y en a un là-bas. Ah, il est au bout. Là, sur la carte, on dirait que c'est tout petit, mais en fait, c'est immense, quoi. C'est grand. Qu'est-ce qui va... Ok, j'ai un hélicoptère qui se ramène. De toute façon... Ok, j'en ai un là. Oh, il va trop vite là. Putain. Il est où l'autre? Il est où l'autre? Hop. Quand il bouge plus comme ça, c'est le moment où il faut tirer. Allez, pareil. Une arme. Ok, il y en a là-bas. On y va droit dessus. On va toujours se coincer quelque part. Ça. Ouais, tout de suite qu'on utilise les pattes, ça... Voilà. Allez. Ok, il y en a un sur le... Oula. Il y en a un juste là, je le vois pas. Ah, quoi, il est là. Ok, on se casse ici. Et merde. Oh, c'est vraiment la merde. Ah, il est statique, il bouge pas. Faut en profiter. Bon, là, je vais y aller un petit peu en mode à l'arrache. Parce que là, j'ai pas de... Merde, y'en a même derrière moi.
Et je vais en profiter pour récupérer toutes les petites orbes. De la vie, s'il vous plaît, de la vie. Voilà, merci. S'il y a des hélicoptères qui se ramènent, voilà. Allez, tiens. Je crois qu'il en faut que deux et ça suffit. Un seul. Ah bah là, je vous garantis qu'avec ça, on aura de quoi l'améliorer, notre personnage. Ah merde, dommage. Oh, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ouh, génial. Il l'a pas eu. Ok, on va aller. Merde. Il faut que je revienne sur mes pas. Je reviens sur mes pas. Et je vais tenter de... Je vais juste prendre des armes... automatiques. Celle-là. Et... faire la méthode radicale. Allez, vas-y, vire-moi ce truc là. Quartier général Blackwatch. Commandement Red Crow Battery Pack. On a cellular level, a shapeshifter. We've used the DNA sample you recovered to synthesize a pathogen. Inside Zeus, the pathogen will generate a possible cure. Do you understand your mission? I'm to inject the weapon into the target, Zeus, and bring him in. Sir, with respect, all indications are that... Mercer isn't a he, it's an it! I will debrief you when you complete your mission. Dismissed. Captain always did have difficulty seeing the bigger picture. Espèce de manchot de merde là. Ils veulent manger, m'injecter un truc dans le cul. 1 milliard de dégâts j'ai fait. Oh putain, j'ai tué 423 militaires, perte civile 200, tu sais même pas d'où ça vient tout ça quoi. 423 militaires, d'où j'ai détruit 423 militaires en vrai. Là, le but, c'est d'aller où ? C'est d'aller. Si jamais on passe devant, comme ça, par hasard, une zone avec... une zone qui est infectée, ou alors une zone militaire et tout, on n'hésite pas à rentrer dedans pour prendre les compétences. Hein, ça nous sera vachement utile pour la suite de l'aventure, vraiment. C'est pas du temps perdu, je vous le dis. Je vous le dis. Par contre, je vais faire des petites améliorations, hein, genre coup rapide, tranché, fond détaillé, coup sanglant. Hein, ça a l'air de la clé, tapis de pointe. Bon, transformez votre biomasse en une pointe mortelle qui jaillit sous. Hein, utilisez. Cette compétence peut être améliorée. Bon, ça a l'air pas mal. Hein, écoute. Viser avec table pour une pression chargée avec. Voilà, bon, c'est. Amélioration de tapis de pointe, augmente les dégâts de la zone. Bon, ça on le fera plus tard parce que pour le moment c'est pas le genre de truc que je... Pareil, le pouvoir du fouet, bon c'est pas forcément le truc qu'on utilise beaucoup quoi. Double la force, lancer plus loin et aux attaques inflige plus de dégâts. Ça par contre c'est intéressant parce que j'adore défoncer les hélicoptères. Pouvoir de vision, machin, ça j'en ai pas besoin. Déplacement, rétablissement aérien. Ouais, bon, pour le moment, ça... Vitesse de course 2, hein, pour courir plus vite, ça je prends. Amélioration de saut 2, ça, je prends. Amélioration de saut 3, on peut pas. Survie. Donc là, de toute façon, j'ai que 14 000, donc 14 000, je suis pauvre en vrai. Hein. Amélioration de santé, il faudra qu'on améliore un petit peu la santé ensuite. Parce que c'est vrai qu'on est un peu light en santé. I think I might be able to get you close to McMullen. The news has been showing an endless loop of Blackwatch scientific teams turning up at Hives.
Those teams have to be working for McMullen, right? If they are, then one of them has got to know how to get to him. Get into one of those areas and draw McMullen in. McMullen is the key to all of this. McMullen. On veut tuer McMullen. Aléonie a tiré McMullen. Ouais, il me faut clairement plus de... Il me faut clairement plus de santé là. C'est vrai que je suis vraiment light en santé. Oh, une orbe. Viens là toi. Par contre j'aime bien, il y a... Franchement on voit toutes les voitures se crasher et tout. Vraiment des fois on fait des embouteillages, les gens ont peur et tout. On voit qu'ils font n'importe quoi, c'est vrai que c'est plutôt bien foutu quand même. Vous voyez, vous avez des embouteillages comme ça, des accidents qui se créent, les gens... Voilà, c'est juste génial, c'est vrai que c'est ça quand même était bien fait. Même si au niveau de la quantité de personnes dans la rue et tout, c'est pas trop réaliste. Mais bon, c'est voilà. Je veux dire, il y a un bel effort qui a été fait sur ce jeu quand même. Moi j'apprécie ce jeu. En fait il m'en faut pas beaucoup en vrai. Je suis le genre de mec qui même si c'est moyen, à partir du moment où je prends un petit peu de plaisir à jouer, c'est bon, ça passe. Je suis content. Voilà, on sent quand même qu'on court plus vite quand... Ah, on arrive dans une zone contaminée. Bon. Ah ah. Ok. Donc là, on va devoir attirer McMillan dans ce nid. J'espère que McMillan n'est pas obligé de se border. Trouver le commandant parmi les survivants. J'ai pas compris en fait en réalité ce qu'il faut faire. Il y a un truc en rapport avec McMillan là, de l'attirer par là. Parce qu'il est intéressé par les nids. Donc là, il y a un commandant. Je dois le... Bon ben je l'assimile. Hein. The outbreak seem to be centered around these areas. The focus, as we've seen, seems to be these buildings. Secure all marked areas for possible insertion of Director McMullen for direct study. He won't touch down until all sniffers read nominal and make sure none are destroyed. Engagement protocols? Anything it takes to clear the ground. When it's all clear, sound off. Ok, bon, c'est bon, on connaît un petit peu plus l'histoire. Ils veulent sécuriser la zone. Allez sur le site et tu viens. Oui. Donc en fait, il faut que je... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Trouver McMullen. Aller sur le site d'études de nid suivant et vérifier son niveau d'activité. Et vérifier son niveau d'activité. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec son niveau d'activité? Ah là, foutez-moi la paix. Alors pour les tuer, c'est très simple, il faut faire ça. Oh. Attendez, c'est quoi le bordel? Toi tu dégages. Putain, j'essaie de faire des pouvoirs là, mais j'y arrive pas. Putain, mais normalement j'ai un pouvoir là. Voilà, ça c'est pas mal. Merde, il se combine à un autre pouvoir, ça m'énerve. Genre si je fais comme ça. Groupe d'intervention d'approche. Alors attends, tu vas voir. Déjà, ça. Où est le deuxième? Hop là. Et là, ça va faire chier tout le monde du sang, quoi. Tiens.
Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Allez sur le site. En fait, je dois sécuriser le site, donc à mon avis, je dois tuer cette bête. Et ce sera fini. Si je veux qu'il s'approche. Ah non, il y a une flèche, il y a une flèche, il y a une flèche. Il y a une flèche où je dois aller. Je vais essayer de me... Ok, normalement c'est bon, je suis invisible maintenant. Amener ma clinique sur le site. Saboter les détecteurs viraux, empêcher les détecteurs viraux que les autres soient détruits. Ok. Pour que l'un atterrisse, il doit croire que la zone n'est pas infectée. Approchez-vous d'un détecteur viral et appuyez sur... D'accord, c'est pour ça qu'on a nettoyé un petit peu la zone là-bas, c'est pour... Pour qu'il soit rassuré, cette couille molle. Il doit croire que la zone n'est pas infectée, approchez-vous, et appuyez sur un pour commencer à saboter le détecteur. Ok, d'accord, très très bon. Donc là, juste, je me mets en soldat... Alors les détecteurs, il doit y en avoir. Il y en a plusieurs. Alors 2, 1, 4. Ok. Jusque là tout va bien. Quatre. Je me suis trompé. C'était chaud là. Quatre. Un. Trois. Quatre. Quatre. Deux, un, deux, deux, quatre. Je vais les assimiler tranquillement là, histoire de reprendre un peu de vie. Voilà, histoire d'être à fond au niveau de ma vie, tranquille. Oh vas-y, arrête de me suivre comme un connard là. Vas-y, retourne-toi, connard. Allez, hop. Voilà. Au moins, je suis à fond en vie. Allez, je peux y aller. Pouf. Vous avez vu un mec tomber du ciel? Non, c'est rien du tout. Macmillan est rassuré. Merde. J'ai été détecté. Comment? J'en sais rien. Échapper aux militaires. Allez, je me casse.
Et voilà, mission accomplie. Bon, c'était juste d'essayer d'attirer le mec en faisant croire que tout va bien, mais en fait, manque de bol. Il y a eu des pustules qui ont éclaté. Allez, on se casse au... On se casse au niveau de l'abri. On va voir si au niveau des améliorations, je peux pas améliorer ma santé, s'il vous plaît, madame. Oh putain, je suis trop pauvre encore. J'ai récupéré toute ma vie. Très important. Là, on a un truc infecté, là. On a un bordel infecté. Un immeuble infecté. On va essayer de le détruire. Ça va ralentir la progression de l'épidémie. Mais surtout, ça va permettre de gagner des points d'expérience qui peut-être nous permettront d'avoir plus de santé. Améliorer la santé. Eh merde, je me suis trompé. Ah là, dégage, espèce de con. Oh, il est où ce truc? Voilà, ça prend pas longtemps. Et ça nous fait gagner combien? 15 000. Ça, c'est ultra efficace contre les gros comme ça. Cette attaque. Allez, je me casse avec un ennemi. je prends votre collègue. Je l'envoie vraiment comme un frisbee, quoi. Bon, j'ai pris plus 15 000, mais 15 000, bon, c'est pas non plus... c'est pas non plus énorme. On passe à côté d'une base. On va peut-être en profiter. Quelle heure, combien de temps? 2 minutes. Je pense qu'en 5 minutes, on peut régler ça. Est-ce qu'il y a des trucs à acquérir dans cette base? Non, il n'y a rien à acquérir dans cette base. Il n'y a pas d'amélioration à avoir, ça sert à rien. On n'y va pas. On passe dans une autre base, on le fera. Mais là, en l'occurrence, ça sert à rien. Ah, je me dis si merde, je me suis trompé. Si j'élimine une autre, bon là, je l'ai pas éliminé, mais non, pour le moment, je suis quoi qu'on va passer par cet endroit là pour aller à. On va voir qui là? On va voir Karen pour aller voir Karen. Donc il y a moyen, si on fait la même chose, de pouvoir aller jusqu'à 30. Si on engrange encore 15 000 points d'expérience, on pourra avoir l'augmentation de santé. Je pense que c'est intéressant. On va le faire. Après, je pourrais faire des défis, mais les défis, ça. Pff, c'est bon, les mecs, sa mère. Ah, j'ai essayé d'en faire, t'en fais 2-3. Voilà, c'est bon. C'est bon. Tuer le plus d'amis possible, tuer ci, tuer mi, voilà. Tuer plus de drones, tuer tout. Oh là. C'est bon. Allez, je prends de la hauteur, ça va me permettre d'aller un petit peu plus loin. Allez, là-bas, le bâtiment, je le vois pas encore. Si, c'est bon, je le vois. C'est dommage que le bâtiment infecté, ils ont tous les mêmes designs. Et merde. Fais chier.
Putain, y'a... Y'a pas un tank là? Putain, le tank il est derrière. Il faut que je me cache. Ok, le tank il est là. Putain, non, bah ça. Ok, allez. Il est là le tank. Il est là. Oh, il est déjà bien abîmé. Oh le con. Il a déjà pris. Non, il se met dans le mauvais sens. Putain. Allez, c'est bon. Voilà, nickel. Et là, on peut aller dans amélioration santé. Et voilà, amélioration de santé. On a plus de vie, nickel. Ça, c'est beau, ça. Il y a tout le monde qui est mort ici, quoi. Oh là, c'est dévasté. Moi, ça me fait marrer parce qu'en fait, mettons, on va dans le... On voit qu'il y a des gens, ils sont pas bien, en fait. Vous voyez, on voit qu'ils sont malades, qu'ils titubent comme ça. Il y en a même qui, je crois, il y en a même qui dégueulent. Vous voyez, on dirait qu'ils vont gerber comme ça. Ils sont bien faits les visages quand même. Oh, regardez, il y a plein d'orbes là. On va se les ramasser. Parce que là, entre ces trois là, ça va faire du 6000. C'est pas négligeable quand même, 6000. Hop là. Oh, il y en a d'autres là-bas, ouais, c'est bon. Après, je ramasse celle-là et on se casse. Ça, c'est pour ceux. S'ils sont sur ma route, je les prends. Après, si je vais pas m'amuser à les chercher, ça, c'est pour les chercheurs de trésors, là. Je sais plus comment on s'appelle, ça. Les mecs qui. Les chasseurs de trophées. Ouais, c'est bon. Moi, je suis pas ça. Oh, comme je les défonce, les gens. I need you to go inside a hive. The substance at the center, the material the virus is producing, I think it's the key. With it, I think I can reverse the effect of the virus. And Alex, for what it's worth, I'm sorry it had to play out like this. Don't be sorry. Just cure this thing. Ok, donc il me faut encore des échantillons. Prélever du matériel génétique. Ok. Est-ce qu'il y a un plus ici? Non, il n'y a pas de plus. Ça ne sert à rien. Mais si, il y a un plus ici. Putain de merde. Si, il y a un plus sur le... Pourquoi il est pas sur ma minimap le plus? Merde. Putain, il y avait des soldats. On va se changer en soldat ici, en étant caché dans cette espèce de petite ruelle de merde toute taguée. Da. Oh, 3, 2, 1. Hop, ça va, c'est bon. Oh, ils m'ont même pas vu me changer là. Putain, ils sont cons. On va aller se récolter des petites augmentations, ça c'est vraiment cool. Nickel. Allez, on rentre. On en a pas, on a pour pas longtemps. Hop, et on va ramasser un petit peu tout ce dont on a besoin ici.
Alors, c'est quoi? C'est R? Ouais, c'est R. Non, c'est F. Artillerie, compétence améliorée pour l'artillerie. Très bon. Vos tirs d'artillerie sont améliorés, vous tirez plus de salves en aval et la zone d'effet plus importante. Ça, je dis oui. Ça va nous être utile au bout d'un moment. Oh putain, faut pas que je cours là parce que je les attire quoi. Ouais, mais là il est face à des mecs. Lance-grenade. Désormais, vous maniez mieux le lance-grenade. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je fais plus mal? Est-ce que je... Voilà, quoi. Oula, pardon. Putain. Ouais, c'est... Ah putain, j'aurais pas pu l'avoir là. Yes, nickel. Compétence blindée améliorée. Ça c'est très bon ça. Désormais les véhicules blindés sont plus efficaces. Et on va aller prendre le petit crâne. Oh putain, j'ai bougé le camion. Le gameplay de précision, c'est pas le fort de ce jeu en fait. Hop là, yes. 25 000 points d'expérience quand même. Target exhibits a classic low effect personality. Psychopathic disregard for others, narcissistic worldview punctuated by self-obsessive disorders. Okay. Now how about somebody repeat that in English? OK, donc maintenant je peux me barrer. On part. On continue dans la direction où on doit aller. Donc on doit aller chercher les échantillons. Là 38 minutes, je pense qu'on a le 20 minutes, on a le temps de faire la mission tranquille. Ça dépend parce qu'il y a des missions quand même qui sont un petit peu dures. Hein, qui demandent un petit peu plus de temps. Puisqu'on finit par crever 3000 fois, putain. Donc là, je suppose que je dois passer par le toit. Objectif atteint. Oh là là. Je suis dans un furoncle géant. Je suis dans un cul, en fait. Objectif de la mission. Allez, je dois récolter. Attends. Il va forcément se passer quelque chose. Ça va pas. Il va pas se. Tu peux pas récolter le truc juste tranquillement comme ça. C'est pas possible. Voilà. On va voir notre premier boss probablement. Mes lames. Ok, là je peux pas le. Oh putain. Le siège, le fauteuil. Merde.
Ah oh, bordel, comment je vais faire pour l'avoir lui? Est-ce que je peux? Ah je vais le mourir là. Ah non, je suis mort. Putain. Ah, le gameplay il est pas précis, c'est chaud. Établir un point de contrôle. Rétablir un point de contrôle. Putain, il m'a fait tomber mon. Putain. Ah mais c'est impressionnant, il faut pas que je le cible parce que si je le... Quand je le cible, je suis complètement paralysé quoi. Eh j'ai déjà plus de vie. Ah mais attends. Waouh, ça va être chaud, ça va être chaud. Rétablir le point de contrôle. Putain mais je... Comment tu veux que je l'aie? Comment tu veux que je... Ouais il est trop fort. Comment j'ai fait pour l'avoir dans le premier, putain? Comment j'ai fait pour l'avoir la première fois que j'ai joué? Oh. Le jeu, il me propose de prendre le bouclier là. Les spécialistes deviennent plus vulnérables lorsqu'ils rechargent. Le spécialiste devient plus vulnérable lorsqu'il recharge. Profitez-en. Rétablir le point de contrôle. Et il me parlait du bouclier. Attends, je vais peut-être prendre le bouclier. On va aller dans l'amélioration. Je peux planer. C'est dans pouvoir. Coupe rapide. Tranché, fond détaillé, coup de sanglant. Ah, putain, c'est trop cher. Pouvoir du bouclier. Le bouclier absorbe les dégâts à l'impact, préservant ainsi votre santé jusqu'à ce qu'il cède. Une fois brisé, le bouclier doit se régénérer avant qu'il... On va quand même prendre ça. On va voir comment ça se... Vous avez obtenu votre premier pouvoir défensif. Maintenant, pour afficher sélection, pour... Le pouvoir du bouclier améliore votre survie en augmentant votre résistance aux dégâts. Le bouclier est un pouvoir défensif. Après les dégâts initiaux, les ennemis, si le bouclier encaisse trop de dégâts, d'un coup, il cède. Ok, d'accord. Ok, on va faire comme ça, c'est bon, j'ai compris le pattern. C'est bon. Merde. Yes. Est-ce que ça ce serait pas... Est-ce que ça ce serait pas par hasard un petit point... Allez, tu les mets GG, c'est griffe ou quoi? Allez, donnez-moi d'avis. Reload.
Faut être réactif là. Faut être réactif. Oh yes. En plus il gueule reloaded quand il recharge, donc il est un peu con quand même. Eh merde, là j'ai peut-être fait de la merde. Ouais. Allez, donne-moi un peu de vie quoi. Une fois qu'on a compris le pattern, c'est bon. Oh. Oh, il y a le pustule qui m'a empêché de le frapper, le bâtard. Oh. C'est bon, je l'ai eu. On va bientôt l'avoir. Oh bordel. Oh bordel. Allez, c'est bon. Ouais, ben le bouclier ça sert à rien, je pensais que ça allait servir à quelque chose, mais ouais, je l'ai pas utilisé la première fois que j'ai joué, ben je l'utiliserai pas la deuxième fois. Zeus is down. Bring in the containment device. Pourquoi tu t'es retourné, conno? L'injection vous a rendu vos pouvoirs inutilisables, mais votre force, votre vitesse et vos pouvoirs sanitaires ne sont pas affectés. Ok. Allez, je m'échappe. Allez, je vais dans la ruelle derrière, là, comme ça. Hop. Et voilà. Mission accomplie ou pas mission accomplie? C'est mission accomplie. $1,2 milliard. Oh là là. On a une zone là. On va se la faire. On a une zone de contamination. On va se la faire. Hop là. Vu qu'on y est juste à côté, on va pas se priver. Voilà. Au moins on se prend les 20 000 là, et voilà. Ah, moi j'aime l'expérience. Ah, les 15 000 points d'expérience, mais je pensais que c'était 20 000. Ok, maintenant on se casse.
Allez, on va. Il y a des petites fioles. Oh tiens, j'ai dit que si je passais devant, je les prenais. 9 sur... Oh, quand il y a une tête là. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Le docteur Joseph Schlüssel. What were we keeping from them? Everything. Go on. This source. It's the key to genetics, but it's also a machine, churning out the worst viruses ever seen. Things that, if they got out of the lab, could literally erase human civilization as we know it. And how did that make you feel? I wasn't paid to feel. Aïe, 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 c'est docteur. Elle où la déontologie? 10 cryptophénies. Chaque site désormais vaut 5000, je crois, il a dit. J'avais marqué. Ah, oh, c'est pas mal ça. Allez, on se casse. On va voir. On va commencer la nouvelle. On va pas commencer la nouvelle mission, mais on va. On va voir ce qu'il nous demande pour la prochaine vidéo. Putain, j'ai encore un moustique à la con qui tourne autour de... Je suis tombé dans la flotte comme une merde. Wouh. Wouh. On va voir combien ça vaut maintenant les trucs là. Oh, oh la vache! Oh ouais! Oh, il y en a un autre là! Oh là là! 5000! Ah ouais, quand même! Ça, c'est une astuce! Chargez vos attaques en maintenant la commande chargée, le plus lente, beaucoup plus puissante! Oh, merci! Ah, mais il y a des tronches de partout là! Ouais, comme il est. Regardez comme il est inquiet! Le docteur Brian. We have confirmation of the agent in two sampling stations. That is a variant of DX1118, still untyped. In 10 to 15 hours, an outbreak is likely to appear. It is vital that fast action teams are on site within minutes of the first confirmation. We're here to make certain what happened in 1969 never happens again. You all know your duty, whatever it takes. Ok, très bien. Oh, il y a des tronches de partout, je vais pas... Parce que bon, mine de rien, c'est 54 minutes, là. Le docteur Harris Widger. Alors, Harris, qu'est-ce que tu vas nous dire? What is it we're looking at here? The future. As amazing as it seems, he can manipulate his body on the genetic level. The changes are instantaneous. Everything, even the clothing, is imitated. Tissue differentiated and transformed on the fly. I want it on the slab. I need to know what makes it tick. Ok, très bien. C'est que de la merde, en vrai. C'est pas vraiment des trucs utiles. Someone for him. Okay, it's this doctor named Bradley Ragland. Where is he? Whoa. He's a good guy. Okay, you find him. He helps us get to McMullen. He's uptown at St. Paul's Hospital. He runs the morgue there. Wait, hold up. There's more. All right, so I did some research on Hope, Idaho. It was an army town. On July 21st, 1969, it vanishes from the map. The official word was that it was an anti-government gun nut standoff. Some militia killed a bunch of people, and the feds killed the militia. Now, there was only one survivor.
Notice a girl, second from the left. Elizabeth Green. Looks an awful lot like a college student these days. Not bad for 55 years old. Hope Idaho was an experiment. How could you possibly know that? The people I've killed, they're in me. I can hear them, see the things they've done. What the fuck are you talking about? I can understand it all. I'm supposed to do these things, but it's right. I can feel it. Find Ragland. And ask him about Mick. Mon dos, j'ai l'impression que ce truc se nourrit de moi. Oh, regardez. Je suis Quasimodo, ça y est, je suis Quasimodo, j'ai une pustule dans le dos. Bon, écoutez, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très rapidement pour la partie 4, puisque finalement, en fait, là, j'ai bien envie de continuer, là, je vais enchaîner, parce que, comme le jeu, ça fait pas longtemps que je l'ai fait, je me rends compte que quand on a le gameplay en main, quoi, finalement, on peut s'amuser quand même pas mal. Je trouve que c'est sympa en fait de le refaire le jeu comme ça. Je prends presque plus de plaisir que la première fois que j'y ai joué. Donc on se retrouve très rapidement pour la partie 4. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.